l'amitié, chaque fois que les chefs d'État avaient des difficultés, qui avaient eu l'amitié d'accepter, que quand tu savais te dire, bon, français, si on peut appeler tel ami, on l'appelait, tu discutais, donc ça permettait de détendre et peut-être de mieux comprendre la situation de certains pays, parce que c'est pas toujours facile, quand tu es venu, c'est pas toujours facile de comprendre l'Afrique, surtout qu'on a l'habitude de nous dicter ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus majeurs. Nous sommes décidés à ce que le problème africain soit résolu par les Africains, à commencer par le problème de la Libye. À Deauville, nous étions invités, lorsque le président Sarkozy était au pouvoir, nous avons dit, souffrez-moi, n'intervenez pas en Libye. Votre intervention va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye, ça ne durera pas d'État en Libye, ce sera trois régions au moins, Tobruk, Misrata et Tripoli, sinon plus. Et comme nous savons que la Libye était un arsenal, le développement du terrorisme chez nous. Vous êtes intervenu, vous êtes parti. C'est facile aujourd'hui qu'Obama ou Cameron fassent leur autocritique, mais pendant ce temps, nos enfants sont en train de mourir, ou sur les armes des terroristes, ou dans le désert libyen, ou dans les eaux de la Méditerranée. Donc nous sommes décidés désormais à nous prendre en main. Le sommet de Kigali et le dernier sommet qu'à Kigali et Addis Abeba a été un tournant. Nous étions financés en grande partie par l'Union européenne. Nous avons décidé désormais d'être autonomes financièrement et de nous financer nous-mêmes, d'où la décision de consacrer 0,2% de nos importations au financement de l'Union africaine, parce que l'indépendance commence d'abord par l'indépendance financière. Nous avons fait les réformes de l'Union africaine et nous avons donc décidé aussi de nous prendre la main. Nous avons constaté que les casques bleus sont au Congo qui ne s'achètent depuis 20 000 depuis des années, qui ne changent rien. Nous avons donc décidé que désormais, nous souhaitons que vous nous apportez votre contribution pour nous équiper matériellement, mais que ce soit des troupes africaines qui se battent désormais. Nous avons salué votre intervention, mais nous ne souhaitons plus que des soldats français aillent mourir en Afrique. Nous préférons que l'Afrique prenne son destin en main, que vous nous aidez à avoir des équipements, mais que ce soit des Africains qui se battent comme nous sommes en train de le faire en Somalie. Donc, tu as montré, et je pense que tu seras le verrant, que l'Afrique est devenue majeure. Nous ne voulons plus être jugés à travers le ONG, surtout quand on sait que quelqu'un d'entre vous nous a fait des leçons sur le respect et des libertés de la presse et qui, je dis, se trouve maire Front National en France. Alors donc, nous ne voulons plus que ce soit ça les ONG qui dictent ce que nous devons faire, qu'on nous juge. Nous voulons désormais qu'on nous laisse déterminer quel est l'appui de développement que nous voulons. Comment nous voulons appliquer les règles universelles de la démocratie en fonction de la réalité concrète et de tenir compte aussi des spécificités de chaque État, non pas d'avoir une vision dogmatique, il faut si ça en Afrique, il faut si ça en Afrique, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons désormais que vous nous accompagniez, mais entre adultes majeurs et pays indépendants, dans la coopération gagnant-gagnant entre des États souverains. Tu as compris cela? Et nous disons aux Européens que désormais ce sera l'Afrique. Nous ne sortirons plus qu'on nous dicte ce que nous devons faire ou qu'on intervienne dans nos affaires. Nous voulons désormais qu'on nous respecte, comme nous respectons votre souveraineté, qu'on nous respecte et qu'on sache désormais que nous sommes devenus majeurs. Et ça, tu as beaucoup contribué. Merci François. Ce dîner d'État a donc permis à ces deux personnalités d'évoquer en profondeur toutes les questions d'intérêt commun entre la Guinée et la France, mais également entre l'Afrique et la France.